Début de vidéo un peu spécial. Aujourd'hui est un grand jour parce que Danielle a rencontré quelqu'un ses vacances et aujourd'hui elle veut me le présenter. Je lui ai dit ok, pourquoi pas machin. Et elle a insisté pour qu'on fasse une vidéo de ses présentations. Ouais, j'ai un peu peur que ce soit un peu bizarre, que ce soit un peu gênant. C'est un événement parce qu'elle est seule depuis pas mal d'années. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre du coup. Ça va, Daniel ? Oh ouais, super. Je voulais te présenter mon nouveau compagnon. Oui, bah je sais, tu m'as dit. Ah, tu l'as mis dans une cage ? Oui. C'est une cage normale. Ouais, mais... Bon, après, moi, j'ai jamais trop été dans les délires sadomaso et tout, mais... Oh, mais non, mais non, mais non, mais... Sinon, il reste à la maison, hein, tout le temps, hein. Il sort jamais dehors. Comment ça ? Tu l'as jamais sorti dehors ? Ah non, non, non. Mais tu lui fais prendre l'air quand même, t'entends ? Mais c'est inhumain de faire ça. Si, je le mets un peu sur le balcon. Ok, mais tu sors avec lui parfois, tu vas faire les courses, vous allez pas au restaurant ou quoi? Madame, je peux pas. Ok, bah vas-y, présente-le-moi. Et ben voilà mon bébé. Voilà mon petit bébé. Salut, Arthur, enchanté. Bruh. Tu pourrais me répondre quand même? Mais non, il parle pas le loup. Bah le loup, il parle pas le chat. Todd, il parle pas. Ah mais c'est un chat. Et tu m'as dit, je veux te présenter un compagnon. Je pensais que tu avais rencontré quelqu'un cet été. Mais je n'en aurais pas mis là-dedans. Il s'appelle Soleil. Alors, fais voir un peu. Il a lavé les bains. Oui, bah, il a l'air sympathique. Il est trop mignon, puis il est sage et puis il est propre. Oh, on me l'a donné pour mon anniversaire. Ça, c'est mon bébé d'amour. Il fait pas un peu la gueule? Ben non, fais pas la gueule parce qu'il connaît pas le loup. Il a des grands poils, hein? Bah, c'est-à-dire que tous les matins, il faut laver ses petits yeux et puis il faut le coiffer, à mon amour. Mouah. Je veux pas être méchant, mais il pue un peu de la gueule. Il pue de la gueule? Il a toujours l'air énervé. Ah non, il est pas énervé, c'est parce que tu le connais pas beaucoup, loulou. Moi, avec moi, il est heureux. Et on m'a conseillé de laver sa cage à la javel, et ça l'attire pour les pipis. Il vivait dans un gros pipi. Dans un quoi? J'enlève ma chemise parce que je pensais qu'on allait dîner avec ton compagnon après. Il est gentil ou pas? Ah ouais. Je peux le prendre un peu? Ouais. Et mord pas, sale bâtard, on t'a dit. Oh, dis donc, ouais. Commence pas à le traiter, hein! T'as vu comment il te regarde? Coucou! Et tu dors avec lui? Ouais. Pauvre bête. Je dors avec toi, à mon bébé. Et il m'apaise. Tellement heureuse de l'avoir. Ah, il s'est endormi? Oui, il dort beaucoup. Et quand je prends ma douche, eh ben il vient voir maman. Et il doit pas venir te voir souvent alors. Je lui ai fait un cadeau. Ah ouais? Oh, t'es gentil. C'est pas des conneries, hein, le loup, hein? Comment ça, des conneries? C'est pas des conneries comme tu l'as fait la dernière fois. Hein. C'est un petit jouet pour chat. Pour chat, voilà. Premier cadeau. Oui. Un magnifique jouet pour chat. Attention à ces petites griffes, hein. Ah, il a attrapé le pompon. Deuxième cadeau. Non. Ah! Ah! C'est pas ça, pardon. Tu sais qu'il est très vilain. Deuxième cadeau. Oh! Je lui ai acheté une maison. Oh, c'est bien, chérie, regarde. On va les couilles, frère. Regarde, bébé. Il est dedans, là? That's what she said! Je lui ai surtout offert cette maison parce que tu m'as dit qu'il dormait avec toi. Oui. Dormir avec toi, j'en ai fait l'expérience quand on a fait la vidéo 24 heures attachée. J'ai pété un câble. Daniel, j'ai besoin de dormir, merde. C'est un véritable enfer. Et j'ai pas envie que ce chat subisse le traumatisme que j'ai subi. Quoi? Attends, deux secondes. T'as un cadeau pour moi ou non? Oh, j'ai oublié ton bol de loulou. Ah, tu m'as offert encore un bol? Bah, le loup, c'est un bol de Bretagne. C'est quand même la 4e année consécutive hein, que tu m'offres un bol. Pour quelqu'un qui ne boit pas de café ni de thé, maintenant que tu nous as présenté ton chat, oui. Il est temps d'organiser la rencontre. Oh, avec Todd. Todd, tu vas rencontrer ton nouvel ami. Qu'est-ce qu'il a grossi, le loup? Je te permets pas. Quand je suis parti, il était petit. Tu sais ce qui a grossi surtout en lui? Non. Son cœur. Todd, regarde. Il fait gros dos, hein. Oh là là. Oh là là. Il a l'air ultra vénère, ton chat. Et la peur qui pète. L'affrontement va être terrible. Oh là. Mais Todd, il voulait un pote. Bah dis donc, Dave. J'ai l'impression que nos deux chats sont pas amis. Oh bah peut-être qu'il faut qu'ils s'habituent, hein. Non, parce que peut-être que
Il trouve qu'il est trop gros. Il a l'air très très énervé. Hein. Et bah ce chat a un très mauvais caractère. Ça m'étonnerait. Comme sa maîtresse. Bon bah voilà Daniel, après Todd, nous avons donc... Soleil, c'est pas terrible comme nom je trouve. Tu voulais un prénom qui commence par S? Ouais. T'aurais pu l'appeler genre salope ou... Voilà, fin de la vidéo. Daniel voulait vous présenter son... Mon petit bébé. De toute façon, ça fait plusieurs mois qu'on voyait qu'elle était enceinte. Hein. Putain, je suis ridicule, je rigole à mes propres blagues. Merde. Tchat tchat.